Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo, comme vous pouvez le voir, ce sera sur la Linux Mint Debian Edition 2.0 en Release Candidate avec l'interface Mate Desktop. Elle est sortie très récemment, donc j'ai voulu voir où en était la version mal aimée de la Linux Mint Debian Edition. Elle est basée sur la Debian Jessie qui va sortir d'ici quelques semaines, étant donné que j'enregistre le 18 mars et qu'on peut se compter que d'ici début mai, la Debian Jessie sera sortie. Donc, on va voir ce qu'a la LMDE2RC dans le ventre. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans le descriptif. On est go. Donc là, je place en plein écran, n'est-ce pas ? Apparemment, à moins que je ne fasse une erreur, c'est systemd qui est derrière. Désolé pour les fans de sysvinit, enfin de l'ancien sysvinit. Oui, c'est systemd apparemment. À moins que... Ah non, ce n'est pas systemd, c'est l'ancien apparemment gestionnaire de démarrage. Ça ne ressemble pas à systemd. Enfin, je vérifierai rapidement, mais ça ne ressemble pas vraiment à systemd. Enfin, c'est pas l'affichage de démarrage du système D. Bref. Donc là, on a l'écran de connexion. L'avatar est sympa. Je trouve que c'est marrant, ce petit pingouin. Ça fait un peu penser à je ne sais plus quoi. Bref. Donc, je me connecte. On voit directement que le clavier est en français. Ça, c'est appréciable. Ah, tiens. On peut changer d'image. Donc, c'est quand même plus léger que ce que j'ai pu voir par ailleurs. Ça commence par A, ça finit par S et OS, pour être précis. Ça commence par enter, ça finit par gosse. Bref, voilà, vous le savez. Donc là, on se retrouve avec l'interface Windowsisée de Mate. Donc l'écran de démarrage de la Linux, la LMDE2 dite Betsy. Donc là, bien sûr, les sponsors. Ah, votre bancaire, monsieur, dame. Voilà, donc là, c'est... Donc là, je vous montre juste ça en vitesse. Information importante. Je pense que ça va ouvrir une fenêtre. Ouais. Bon. Dommage. Bon. Donc là, l'ensemble de l'écran démarrage. Comme je disais, une interface Windowsisée. Voilà. Donc on revient en favori. J'ai noté la présence de Banshee, qui est tout sauf léger comme logiciel, mais après ça on verra plus tard. Côté mémoire vive au démarrage, on doit être dans les 300 mégas, donc ce qui n'est pas excessif. C'est pas trop lourd. Voilà, donc ça, je pensais qu'ils auraient utilisé le... Je sais pas ce qu'ils utilisent comme gestionnaire de Winter System, c'est pas celui que j'ai l'habitude de voir avec Mate. Bon. Donc, Firefox, Thunderbird, Pidgin, les trucs classiques, quoi. Donc, on va voir ce qu'il y a dans toutes les applications. Les accessoires, donc bien sûr, on peut noter une nouveauté sur la LMDE, la présence d'une partition démarrage, d'une partition racine et d'une partition home. Ça, je l'ai précisé déjà dans l'article, mais je voulais vous le montrer. C'est rarissime qu'on voit des trucs pareils maintenant. Bon, Tomboy, donc il y a pas mal d'outils en mono. Si on n'aime pas trop mono, on est servi. Graphisme, bon, il y a GIMP, GSM, donc tout classique. LibreOffice, donc vraiment une logitech assez classique, mis à part quelques outils mono, faut aimer. Je ne suis pas super fan. Donc on a le gestionnaire de logiciels de mise à jour, je crois qu'il y a un outil de pare-feu aussi. Bloqueur de domaine, donc ça y ressemble un peu. Enfin, c'est le pare-feu au niveau de domaine, gestionnaire de domaine. Téléversement, oui, donc on voit un peu les québécismes qui apparaissent. Les préférences, voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique dans, bon, dans la Mate. Donc la Linux, une description de Linux classique. Ce qui est appréciable, c'est que le français est très présent, les traductions sont très bien faites, et le nombre de distributions qui pourraient en prendre de la graine. Donc apparemment c'est un mélange entre Mate 1.8.1 et 1.8.2,
comme il y a Kara en 1908-2, donc on peut penser que ça mélange les deux. En bas, nous avons le gestionnaire de recherche et mise à jour. Donc, on va voir, c'est une nouveauté, mais normalement, on ne devrait pas en avoir. Étant donné que j'ai fait les mises à jour avant de faire la vidéo, donc il devrait répondre aucune mise à jour disponible. Normalement. Aucune mise à jour disponible, voilà. Donc là... côté logiciel aussi, je crois qu'il y a Flash Player qui est préinstallé. Je crois l'avoir vu. À moins que j'ai rêvé. Sur les vidéos, non, internet peut-être. Je crois avoir vu la présence de Flash Player. Je vais rechercher. Non, alors voyons. J'ai pourtant cru voir la Flash Player. Bon, mais j'ai dû rêver. J'ai dû rêver sa présence. Bon, autant pour moi. Donc, on va lancer Firefox. À propos de, c'est la version 36. Donc je vais voir si Flash Player est bien installé ou si j'ai rêvé sa présence. DWX, non, il est bien plaisant. Je n'avais pas rêvé. Donc Flash Player est bien plaisant. Bien présent, pardon. Ah, je me rappelle où je l'avais vu. C'était dans le panneau de configuration. Non, c'est pas là. Je sais plus où je l'ai vu. J'ai vu qu'il y avait Flash dans le coin, mais je ne sais plus où. Bon, à noter la présence, je pense, de DejaDup, l'outil de sauvegarde. Ça ressemble à DejaDup. Donc, je ne sais pas si c'est lui, mais ça y ressemble beaucoup. Gestion de téléversement, je ne sais pas ce que c'est. Binupload, donc c'est un outil de Mint. Bon, il y a Synaptic, il y a, je pense que ça doit être l'Ubuntu Store, enfin le store, enfin le magasin d'applications d'Ubuntu, revampé, bien sûr. Ouais, c'est l'outil de Mint, autant pour moi. Autant pour moi, voilà, 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 donc, c'est en gros l'équivalent de l'Ubuntu Store. Le bloqueur de domaine. Nani. Voilà. Nanani étant la nounou en anglais, donc la gouvernante. Paramètres de bureau, donc là tous les réglages par rapport à les biscuits chinois. What the... Ah oui, d'accord, c'est les petites fortunes, les biscuits chinois. Voilà, j'avais compris, pour, je ne comprenais pas pourquoi. Donc là, c'est le réglage classique, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. On peut activer et désactiver la composition logicielle sans passer par Compiz. C'est le seul prix. Donc, côté logiciel, on va y revenir. Il y a bien sûr LibreOffice. Donc, on va revenir à bureautique. LibreOffice, je crois que c'est une version 4.3.3. Donc c'est parce qu'elle dépend bien sûr de la version de 5.3.3 fournie par la Debian Jessie. Donc c'est des icônes qui font un peu penser à Cipher, le jeu d'icônes Cipher, qui est disponible par défaut, mais ça n'y ressemble pas parce qu'il y a cette icône, je ne sais pas ce que c'est comme jeu d'icônes. C'est Human, bon, autant pour moi, je ne connaissais pas ce jeu d'icônes. Donc c'est pas si mal que ça, c'est un tout petit peu plus jeune, ça aurait pas été mal. Donc on a GIMP, et les outils qui me font un peu tiquer, c'est la présence par exemple de Banshee, qui est très très léger comme logiciel, très léger. Comme je l'ai précisé dans l'article qui est en lien, si je veux installer Banshee sur mon Arch Linux, ça me demande un téléchargement d'environ 200 mégas de données. Enfin, ça me fait l'installation de 200 mégas. 200 mégas pour installer un lecteur de fichiers audio, ouf. Ça fait un peu beaucoup. Je n'ai jamais été trop fan de Banshee, donc... c'est une personne aime, tant mieux pour elle. Hein.
Donc VLC sur une version 2.1, je pense. Maintenant, c'est 2.2, autant pour moi. Donc, c'est une mise classique, quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard, c'est utilisable. Sinon, il doit rester quelques bugs que je n'ai pas vus. Mais j'avoue que je me demande ce que va en faire l'équipe de Linux Mint. Ça serait con, c'est qu'elle le dire, que l'équipe de la Mint fasse l'erreur de ne pas plus supporter la Betsy, quoi. Voilà, c'est précisé, voilà. L'annonce de la publication. C'est vraiment très récent parce que j'ai enregistré la vidéo le 18 et ça c'est le 18. Donc, c'est très très récent. Mais c'est précisé que les petits problèmes au niveau du support multicœur en 32 bits. Voilà donc. Il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus, quoi. C'est utilisable, c'est sympa, mais est-ce que l'équipe va ne pas faire la même erreur de laisser un peu pourrir sur pied la version par rapport à la Linux Mint officielle, quoi. Ça serait con, parce que la Debian est quand même une base beaucoup plus légère que la Ubuntu, et puis ça serait quand même mieux. Donc là, on a Pluma qui va se lancer. Toujours avec Tami Human. Donc voilà. Donc l'autre gros regret, c'est d'avoir bien sûr Windowsisé à mort l'interface, quoi. C'est tellement mieux avec l'interface d'origine. Bon, ben, je suis un peu puriste sur ce plan, je suis un peu vieux con, je voudrais le dire. Si ça propose pas l'interface Windows par défaut, c'est qu'il y a une raison. Bon, ben, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette version. J'espère me tromper en disant que je la sens pas très bien pour la suite. Enfin, on verra bien, mais. J'espère que je me trompe en disant que elle va subir le même sort que sa grande sœur. Allez, ciao, à plus!